À 42 ans, Vanessa Benaïsa, famille nombreuse, est enceinte de son cinquième enfant. Une grossesse qui n'a pas suscité l'enthousiasme de son fils aîné, Ilyes. L'auxiliaire de puériculture s'est confié à Télé Loisirs. Il pensait être au complet, et pourtant, à 42 ans, Vanessa Benaïsa, participante à l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL sur TF1, a décidé de se lancer dans une cinquième grossesse. La pimpante quadragénaire et son compagnon Hakim sont déjà parents d'Ilyes, 15 ans, Nelia, 13 ans, Sohil, 8 ans, et de Camille, 6 ans. Si au départ elle ne pensait pas avoir un petit dernier, celle qui avait des appréhensions avant de participer au docu-réalité, a redécouvert les joies de la maternité au moment de sa reconversion comme auxiliaire de puériculture. Comme elle l'avait confié à Télé Loisirs, la maman qui a accouché d'une petite Jana depuis les tournages, sa moitié avait quelques réticences au début. Et il n'était pas le seul. Vanessa Benaïsa, famille nombreuse, se confie sur fils aîné Ilyes. Vanessa nous a révélé qu'au début, son fils aîné n'était pas forcément hyper heureux à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Il nous disait, 4 on est déjà pas mal. Vous êtes sûr que vous en voulez un autre? Ce n'était pas vraiment un rejet, je n'irai pas jusque là, mais il ne comprenait pas trop pourquoi on voulait encore agrandir la famille. Révèle-t-elle. Et d'ajouter, il est dans sa période d'ado et je me mets à sa place. Je me dis que moi à 15 ans, ma mère m'aurait dit qu'elle voulait un autre enfant, j'aurais trouvé ça bizarre, donc ça m'a pas plus étonné que ça. Vanessa Benaïsa, famille nombreuse, est épatée par son fils Ilyes depuis la naissance de Jana. Ilyes est devenu un grand frère exemplaire. Lors de notre interview, Vanessa nous raconte la manière dont son fils aîné se comporte avec la petite dernière, maintenant qu'il a sa sœur, je suis même étonné qu'il s'en occupe autant. Il est présent dès qu'elle pleure, il va la chercher, il est hyper attentif et toujours disponible pour s'en occuper. Je suis épaté moi-même. Si est-il le premier qui va aller la voir, qui va la prendre et qui va me dire, maman, tu veux que je m'en occupe? Sur ce côté-là, il est au top. Je ne m'attendais pas à autant d'implication. Dévoile-t-elle avec fierté. Chapeau Ilyes.